Alors bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur la chaîne de Gunok TV. Aujourd'hui je suis avec Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors Jean-Luc, tu es venu avec un berger malinois, oui. Ikea, 2-4 mois. Ouais, c'est ça, ouais, 3 mois et quelques. Ouais. Alors dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici? Alors, moi au départ je voulais aller dans un club, ouais. Hein, pareil, puisque je l'avais fait avec mon premier malinois, c'est quand même mon deuxième malinois. Ah, j'ai déjà eu un malinois, okay. Femelle. Ok. Qui est morte il y a 2 ans maintenant, à l'âge de 12 ans et demi. Et donc j'ai attendu un petit peu et puis j'ai donc repris Maïka. Et puis voyant les résultats sur la vidéo, j'étais intéressé quand même à venir parce que je trouvais qu'elle avait quand même un comportement qui me semblait bizarre sur certaines choses. Parce qu'elle croquait, etc. Elle essaye de nous mordiller, elle claque des dents, voilà, des choses comme ça. D'accord. Donc je trouvais ça pas trop normal qu'elle se retourne comme ça sur nous. Et des fois elle se rebiffe carrément. Hein. Et méchant, c'est méchant quoi. Elle nous grogne dessus et méchamment. D'accord, ok. Voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'elle est adorable. Quoi. Elle est adorable. Mais c'est vrai que les internautes qui nous regardent là aujourd'hui se disent la méthode Gun, il fait que de la rééducation. Non, on fait aussi de l'éducation pour les chiots. C'est ce qui va permettre justement de l'éduquer dans les règles de l'art. C'est ça aussi la méthode Gun. Ok, alors écoute, aujourd'hui je te propose de rencontrer la chienne spécialisée, la chienne thérapeute. Eh ben. Dis juste à papa si on enlève la laisse. Ok, d'accord. Là, on va lui enlever la laisse. On va demander. Jean-Luc est prêt pour lui retirer la laisse. Ah, je suis prêt, oui. Et bien, allons-y. Attention! Ok. Thank you.
Maïka a appris plein de choses, parce que voyant comment elle réagit, comment elle se couche par rapport aux autres, ouais, quand même, c'est impressionnant quand même. Je suis épaté. Je suis épaté. Franchement, moi je suis impressionné là. Franchement, extra. Et là, ça bronche pas là. Incroyable. Incroyable. Alors hier soir, bon, moi je suis parti en voiture. Bah déjà, elle est montée dans la voiture avec toi, alors que d'habitude elle tire comme une folle. Hein? Et elle a fait pareil tout à l'heure. Elle est montée dans la voiture. Quand je lui dis monte, elle est montée. Parce que d'habitude c'était comment? Ah ben elle me tirait, elle voulait partir ailleurs. Elle voulait pas monter. Ah non, non, elle voulait pas monter, non. Non, non, elle voulait pas monter dans la voiture, fallait que je la prenne, que je la mette dedans. Je suis allé la promener un peu plus tard. Elle était calme, très calme, par rapport à d'habitude où elle est quand même assez speed. Elle était calme. Ensuite, je l'ai rentrée et là, coucouche panier dodo. Alors, on l'a plus entendu là. Là, elle a dormi comme jamais elle avait dormi. C'est ma femme qui l'a ressortie vers 9h30, 10h pour aller faire ses besoins. Et puis voilà, et ça c'était bien. Elle m'a fait une belle nuit, tout, pas de problème. Ce matin, très calme. Je me suis levé, même mon épouse nous a pas sauté dessus, rien, elle a pas... Ça c'est vraiment... Déjà c'est bien. Et puis voilà, puis ça s'est bien passé. Bon là, comme je disais, bon, je l'ai remis dans la voiture sans problème. Et on est revenu sur la route, bon, je l'entends pas, voilà. Voilà, déjà, le gros de l'histoire. Pour la soirée et tout, c'est génial. Voilà. Ben j'ai du mal à me l'expliquer. Comment tu, je m'explique ça par rapport à tout ce qui s'est passé hier ici avec les chiens et tout? C'est difficile d'exprimer pourquoi maintenant elle le fait plus alors qu'avant elle le faisait. Je savais pas trop parce qu'on voit pas ce que tu fais, ce que tu dis. Mais bon, c'est vrai que certainement que chaque chien est différent et chaque méthode pour chaque chien doit être différente. Donc ouais, mais c'est quelque chose à vivre quoi. C'est sympa. C'est sympa. Dexy, elle est vraiment superbe comme chien. Bon, l'autre est sympa aussi, hein. Mais je sais pas, et Gunny est. Gunny plus. Exigeante. Plus exigeante, plus elle tape dans le tas. Et c'est vrai qu'elle est impressionnante aussi. Ils sont très impressionnants d'ailleurs. Ouais, ben, moi je dis qu'il faut venir voir, essayer, parce que pour éduquer son chien, c'est vrai que passer par des clubs, c'est pas toujours évident. Et là, t'as quand même donné, tu me donnes pas mal d'informations qui vont permettre de travailler avec Maïka. Et ça, je crois que c'est très important. Hein. Ouais. Moi, j'ai passé un bon moment avec toi. C'était super. Ouais. Merci bien. D'avoir adopté la méthode Gain Jean-Luc. Je te dis à très bientôt. On se quitte en musique avec, bien sûr, Maïka. Montre-moi, docteur.